Hello, hello, et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors, pour une fois, je vous retrouve dans mon bureau en pyjama. Ouais, c'était la petite matinée de la flemme. En fait, je voulais ranger un petit peu mon bureau et je me suis dit, je vais y aller comme ça et puis je me préparerai après. Du coup, je vais commencer par faire ce que je viens de vous dire. En fait, je me suis souvenue qu'il y avait encore quelques petites choses que je n'avais pas rangées ici, comme par exemple de la déco qu'on avait retrouvé dans le garage, et je m'étais dit, celle-ci, je vais plutôt la ranger dans les placards de mon studio. On a par exemple le néon Summer qui sera parfait pour l'été prochain. On a retrouvé ça aussi, avec marqué Yo les gens aussi. Vous savez, c'est les box qui s'allument, je sais pas si elles s'allument encore. Non, les piles quand même ont rendu l'âme. Mais c'était dans la chambre de Josh à un moment. Donc voilà. Et j'avais aussi retrouver celle-ci. Alors celle-ci. Ah, celle-ci fonctionne encore. Je sais pas si vous en souvenez. C'était accroché derrière moi dans mon petit coin bureau dans notre ancienne maison. J'aime trop. Du coup, voilà, ça faisait partie des petites décos que je voulais ranger par ici. Le sac aussi, pour le coup, parce que c'est un sac pour embarquer ordi et tout, qui est super bien fait. Oh, j'avais aussi un tapis de souris dedans. MSI. Donc voilà, ça je vais le ranger ici. Et il y a aussi une autre raison qui fait que je suis venue très très vite ce matin et que je suis du coup encore en pyjama, c'est que je voulais vérifier du matériel. Et quand j'ai une idée en tête, en fait hier je parlais avec une amie parce que je lui disais que j'avais vu passer la nouvelle version de la toute petite caméra stabilisée de DJI et que par rapport à ce qu'elle faisait elle comme boulot, je trouvais que ça pourrait être hyper intéressant aussi pour elle, parce que je vous avoue qu'elle me fait très très envie aussi. Et du coup, pour qu'elle puisse tester, je suis venue chercher la première version de celle-ci que j'avais pour pouvoir la charger, pour pouvoir lui prêter. Mais le truc, c'est qu'en fait, je l'ai laissée charger toute la nuit et elle ne veut plus s'allumer. Donc direct ce matin, je me suis dit, je vais aller voir si celle de Sam s'allume parce que ça me ferait quand même de la peine qu'elle soit toute, qu'elle ne fonctionne plus, quoi. Et celle de Sam qui est donc branchée là, c'est bon, elle s'allume. Juste, j'allais brancher parce qu'elle était à zéro. En fait, j'ai réussi à l'allumer, mais elle m'a dit, non mais là, par contre, je suis à 0%, ça ne va pas marcher, il faut que tu me charges d'abord. Donc ça, c'est bon, je pourrais lui prêter pour qu'elle puisse tester. Et moi, en parallèle, j'ai quand même demandé au service client ce qu'on peut faire, voilà, s'il y a quelque chose à faire par rapport à celle qui ne veut plus du tout charger, parce qu'en fait le truc c'est ça, je pense qu'elle ne charge plus, du coup nécessairement elle ne veut plus s'allumer. Et sur ce, je vais ranger du coup et ensuite je retournerai de l'autre côté. Yes, j'ai reçu ma box HelloFresh. Alors je vous en ai déjà parlé plein de fois parce qu'on adore le concept HelloFresh à la maison. À chaque fois on se régale, les recettes sont juste à tomber. Du coup, ça faisait plusieurs fois que Jen me disait, quand est-ce qu'on recommande une box HelloFresh? La voilà, elle est arrivée. Et pour vous expliquer un petit peu, si vous ne connaissez pas le concept, en fait, HelloFresh, c'est la possibilité de se faire livrer des box à la maison avec tous les ingrédients pour réaliser les recettes que vous avez choisies sur le site. Et il faut savoir qu'au niveau des recettes, il y a plein de recettes différentes. Et par exemple, il y a des recettes familiales, des recettes rapides, des recettes avec des saveurs d'ailleurs. Enfin voilà, il y a vraiment un choix de folie. Et comme je vous le disais, à chaque fois qu'on réalise les recettes, on se dit oh, mais c'est hyper bon, parce qu'en fait, il y a vraiment plein d'ingrédients. Et si moi, demain, je devais faire les courses moi-même pour avoir tous ces ingrédients, j'y passerais un temps fou. Alors que là, quelques minutes sur le site et hop, ça arrive direct à la maison. C'est hyper pratique. Et aussi en termes d'idées, des idées de recettes. Bah là, pareil, les idées, on les a sous les yeux et on choisit ce qui nous plaît. Et elles changent. En fait, toutes les semaines, c'est différent. Donc ça, c'est trop cool. Du coup, c'est parti pour l'unboxing. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour cette semaine. En sachant que comme c'était les vacances, j'ai pris la box pour 5 et pour 5 jours. Voilà. Du coup, on a le petit menu et en fait, à l'intérieur, vous avez les ingrédients qui sont séparés par recette dans des petits sacs. Et donc, cette semaine, nous allons pouvoir déguster des bowls de boulettes veggie thaï, un mafé revisité au poulet et carottes. Oh là là, rien que les images, ça donne trop envie. J'ai faim, c'est l'heure. Une saltimbocca roulée de poulet au fromage. J'ai aussi pris le poulet thaï au curry vert et lait de coco. Je me demande si je vais pas faire ça ce midi. Et une soupe citronnée de lentilles et chorizo. Alors, comme vous pouvez le constater depuis tout à l'heure, vous avez à chaque fois la photo, les ingrédients nécessaires pour la recette et au dos les quantités et toutes les étapes de la recette super bien détaillées. Vraiment, c'est hyper facile à réaliser. Donc, je suis en train de me demander
Ouais, je crois que ce midi, on va partir sur le poulet thaï au curry vert et lait de coco. Du coup, pour cette recette, on a des échalotes, des gousses d'ail, du gingembre frais. Je crois que j'en ai encore ici. De la coriandre, des citrons, poivrons, également le poulet, du riz, du curry vert, du lait de coco. Il y avait un autre poivron. J'ai des cacahuètes et une sauce de poisson. Donc, let's go pour préparer ce plat qui a l'air trop bon. C'est parti, je vais tout faire dans l'ordre comme d'habitude et ça devrait aller très vite. Recette terminée et je vous raconte pas, ça sent trop bon. Je vais vous montrer comment on dresse l'assiette parce que même ça, ça va jusque dans le détail et j'adore. Donc, je vais mettre un petit peu de riz. J'ai fait un petit puits au milieu volontairement. Donc voilà, mais ce n'est pas terminé. On va ajouter un petit peu de coriandre, quelques cacahuètes concassées et pour accompagner tout ça, un quartier de citron. Présentation terminée, j'en connais qui vont se régaler. Et si vous aussi vous voulez manger des bons petits plats comme ça, recevoir tous les produits pour les réaliser directement à la maison avec des recettes hyper simples, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous mets en description et à utiliser mon code promo. Vous allez voir, vous aurez une petite réduction spéciale. Et maintenant, à table. Et on se retrouve avec Sam dans le geek. Ouais. Parce qu'on a décidé que dorénavant, nos petites updates séries et quelques films parfois, ouais. Ben on le ferait ici parce que c'était cool avec le petit néon, c'est la ça. Déco, l'ambiance, on est à fond. Exactement. Est-ce on que est tu raccord. Es prêt? Attends, ouais. je suis pas prête, je suis pas sur la bonne page. Oui, si, c'est bon. Alors, on commence avec L'Empire du Sourire. Ouais. C'est un K-drama. Ouais. Qui était très mignon. Très chouette, j'adorais. Ouais, tu as trouvé chouette aussi. Vraiment, hein. Ouais. Ouais, l'histoire était jolie, il se passe pas mal de choses. Ouais. C'est pas forcément hyper rythmé, mais c'est pas trop lent non plus. Non, et surtout, c'est... Ouais, voilà, c'est très une joli. Belle histoire. Ça fait du bien. Ouais, c'est clair. Oui. Donc, très chouette. Ensuite, je continue avec une série qu'on a commencée, mais on l'a pas encore terminée, c'est The Undeclared War. Oui. On l'a pas terminée. Parce qu'il y avait manqué des épisodes. Oui, en fait, ils arrivent au fur et à mesure. Donc là, on est sur du piratage informatique. C'est ça, exactement. Hein, c'est ça. C'est ouais. Des espions, des gens qui ouais, sont là-dedans. Des cyberattaques, exactement. Voilà. Donc c'est pas mal, ça change. Ouais. On n'avait pas encore regardé de série dont le sujet était ce style de. C'est ça. Donc c'est. C'est intéressant. C'est intéressant ouais. parce qu'on n'a pas l'habitude et qu'il se passe des trucs de ouf aussi. Du coup, je n'en dirai pas plus. On continue avec quelque chose pour public averti. Ah. Bon, alors je dis pas que... Non, The Undeclared War, ça va encore. Oui, ça parce va. Parce que c'est tactique, c'est oui, réflexion. C'est plus virtuel, en fait. Voilà. Oui. Par contre, chère petite. Là, c'est pas pareil. Ouais, là, pour public averti, oui. C'est pas très joli. Je dirais même que c'est tordu. Hein. Ouais, c'est voilà. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand on regarde le premier épisode, toujours pareil, on a envie de savoir ce qui va se passer. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est Exactement. Passé? Pourquoi? Comment? Où est-ce qu'on va en venir? Et du coup, on l'a regardé assez vite. Oui. Mais voilà, c'est très particulier. Parce qu'on veut avoir la fin. C'est ça. Parce qu'on veut arriver à la Exactement. Fin, en fait. Dites-nous si vous l'avez regardé, ce que ouais, vous en avez vous pensé. En avez pensé c'est... Du coup, je continue avec la série Tapis. Est-ce qu'on l'a regardé? Oui. Oui. Est-ce qu'on a aimé? Ça dépend. Si on la regarde comme une fiction avec simplement des bribes de l'histoire de Bernard Tapie. Ouais. Si on a juste survolé la réalité. Voilà. La fiction peut passer. Ouais. Par contre, si je pense que pour les gens avertis, et puis on a derrière vu des interviews de, la famille. De sa femme qui dit que réellement tout est romancé, qu'elle n'a pas du tout eu le rôle qu'on veut lui prêter dans la série, qu'elle aurait bien aimé d'ailleurs. Oui. et donc on relativise par rapport à ça, mais sinon,
ça reste dynamique. Elle se regarde. Ouais, en fait, elle se regarde, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vrai qu'il y a, à mon avis, déjà beaucoup de raccourcis. Oui. On a trouvé qu'au début, t'as vu, ça allait très très vite. Mm-hmm. Alors qu'il s'est passé plein de choses. Genre, en deux épisodes, on était déjà quasi à ce qui est presque arrivé à la fin, en fait. Et forcément, beaucoup de place est donnée aux affaires. Oui. Donc, ouais. Je il pense manque que... peut-être le côté un peu plus humain, un peu plus... Ouais, il voulait faire le bien autour de lui. Mm. C'est ce que... Hein, je veux dire, il... Et le tort qu'il a eu, c'est de toucher à la politique, alors que quand il a fait de la politique, il voulait faire le bien pour les jeunes, pour les banlieues, pour... voilà. Alors ça, par contre, c'est un petit peu évoqué, mais alors vite fait, puis alors avec des clichés ouais, et avec genre, des exemples faire des qui tartines, sont pas... beurre confiture, non, enfin pour bon, le bref. Coup, ouais, les exemples pris sont pas du tout à la hauteur, je pense, du projet qui était réellement mais derrière. Mais ça se regarde. Mais voilà, c'était divertissant, puis alors si vous connaissez pas du tout l'histoire avant la réalité, enfin l'histoire, j'allais dire la réalité, ça, oui, ça se regarde bien. Hein, ouais. C'est une histoire quoi. C'est ça. Une autre série qu'on a commencé, mais alors pour le coup on l'a pas terminée, mais c'est parce que pour le coup ben on n'est pas trop motivé. Ouais, c'est pas. Dévoré par les flammes. On a essayé, mais dites-nous si vous l'avez regardé ou si vous l'avez commencé, ce que vous en pensez. Mais nous là, on est passé à autre chose. Moi, en fait, j'accroche pas. Ouais, on était. Pourtant, pas... on a essayé plusieurs épisodes et un. On a laissé la chance, ouais, mais non. Et pourtant, c'est l'actrice de Casa de Papel. Mais ça suffit pas. Je continue avec une série qu'on a découverte, je pense, un peu tard parce qu'on a réussi à voir les trois saisons. Et s'il y avait les trois saisons sorties, c'est que ça devait faire un moment que la première et la deuxième étaient au moins là. Au trois ans. Mais on était passé complètement à côté. C'est ça. C'est Truth Be Told. Ouais. Et je l'ai mise par hasard, d'ailleurs. Ouais. Effectivement, sur... Alors après, j'avoue, si vous allez regarder, vous allez nous le dire aussi. Ouais. Petite préférence pour la première saison. Ah, la première saison. La première saison, fantastique. Ouais, j'adore. Je dirais que le cœur de bataille de la première saison est vraiment, vraiment poignant. C'est ça, ouais. L'idée, sans spoiler, d'aider... un jeune. Un jeune emprisonné et potentiellement innocent. Mm-hmm. Effectivement... En fait, voilà, on peut pas trop en dire, parce que sinon, on vous dit tout. Non, on dit rien, mais voilà. Ensuite, on a regardé la deuxième saison, on l'a trouvée pas mal, mais on s'est dit, je préférais l'intrigue de la première. C'est ça. Puis on a regardé la troisième, elle était peut-être mieux que la seconde. Ouais. Mais on s'est dit, je préférais l'intrigue de la première, c'est quand ça. Même. C'est mais ça. Du coup, on a quand même hâte de voir s'il y aura une saison 4, parce qu'à l'arrivée, le concept, par contre, est pas mal, ouais, parce que c'est une histoire différente à chaque fois. En fait, c'est quelqu'un qui prend des affaires classées et qui veut les réouvrir, en c'est fait. C'est ça. Voilà, pour les reconsidérer. Ouais. Pour reconsidérer pour les que choses. Que la vérité soit voilà. dite. Alors, l'avant-dernière que j'ai notée, c'est Slow Horses. Ouais. Je te laisse en parler parce que pour le coup, je l'ai suivi, mais pas à 100%, c'était compliqué. Ouais, bah une fois sorti de Truth Be Told, Famous Be Told sur Apple TV, non, c'est en ça, fait. Truth Be Told. Ouais. Okay, autant pour moi. je regarde souvent les pitchs pour savoir si ça pourrait nous intéresser. Mm. Et je suis tombé sur cette série qui parlait du MI5 avec un agent. On aime bien quand il y a un peu d'intrigue, un peu de suspense et, voilà, et des enquêtes. Et donc, on s'est mis à regarder cette série, très sympa. Ouais. Avec un. En fait, l'acteur principal, c'est un jeune agent, mais là aussi, il y a des problèmes de pouvoir entre les entités du MI5, je ne fais pas de spoil. Mais il y a un acteur plus âgé qui a un rôle qui est pas mal et aussi. Et lui, je sais que j'adore. T'aimes bien, pourquoi ouais. Parce que c'est un humour caustique, hein, à la Doctor House, pour ceux qui se souviennent, et il envoie voilà, ses vannes sur vannes, et c'est très drôle, ouais. La manière dont il s'exprime, pour la manière coup, dont il bien. Se comporte. Mais, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de suivre. De ne pas faire comme moi, de ne pas regarder 2-3 trucs sur le téléphone, parce que si vous loupez 5 minutes, vous ne savez plus qui est qui. Bah, qui ça, ça va vite et il se passe plein de choses, effectivement. C'est ça. Elle a raison. Donc j'avoue, je l'ai pas mal embêté. Qu'est-ce qui vient de se passer là ? Je confirme. Et je termine avec la nouvelle saison de Lupin. Ouais. On n'en avait pas parlé, hein ? Non. On n'en avait pas parlé. Je ne crois pas. On l'a regardé. Très vite. Rapidement. Ouais, bah parce qu'on kiffe. Parce qu'on voilà. a envie. Donc à chaque c'est moment, on s'est dit « Ah, attends, on continue Lupin !» C'est ça. Et c'était chouette. Très sympa. Ouais, toujours aussi sympa. Ouais. Je pense que c'est cool, ils arrivent bien à maintenir le rythme. Quand même, tu vois, ça fait pas genre c'est parti comme ça, puis ça descend. Ouais. Ça se maintient bien, et ça laisse une ouverture. C'est ça. Il y a une ouverture à la fin, même si vous nous direz ce que vous en pensez, mais moi, j'aime pas trop aimer la fin. Non, c'est vrai. Voilà. Bon, c'est... Ouais, elle est belle. Alors toi, on tu la par... comprend. Oui, tu parles pas de l'ouverture de la fin, des quelques secondes. Ah, tu parles des 5 minutes de la fin, la conclusion. Ouais, la conclusion, avant la manière l'ouverture. En fait dont se passent les choses. Ouais. Non, ça, on n'est pas très fan. Ouais. Mais
comme derrière, il y a cette petite scène là où on se dit ah, il va se passer quelque chose. Voilà. On se dit que tout n'est pas fini, l'histoire ne peut pas s'arrêter ainsi. C'est ça. Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous ne voulez pas de spoil, ne lisez pas les commentaires. Exactement. Voilà. Du coup, on arrive à la fin de cette petite update série. Et là, j'allais dire, on a commencé quoi ? En fait, on n'a rien commencé, on vient juste de terminer la dernière. Ouais. Et enfin, pas la dernière, du coup, pas Lupin, celle d'avant. Mais là, on est un petit peu à la recherche. Ouais, je trouve que même en regardant un petit peu. On est un petit peu dans un creux. Ouais, je trouve ça assez calme en termes de série. Je sais pas si c'est dû à tout ce qui s'est passé aux États-Unis. La grève, les machins, si ça a reporté plein de choses. Ouais. Mais ouais, non, là, en ce moment, je sais pas, pas de. Mais pas grave, il y a les films de Noël qui vont commencer. Mais oui, oui. Ils ont déjà commencé, qu'est-ce que tu dis ? Ils ont déjà commencé au mois d'octobre, on avait les films de Noël. C'est ça. Bientôt, rendez-vous en avril. Non, je rigole. Du coup, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Bon, on retourne de l'autre côté. Allez. Allez. Coucou, petit amour. Coucou. T'as été sage avec Jen ? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? Et ben, on a chanté. Vous avez chanté, waouh. Et là, maman, il m'a donné le micro qui chante. Elle t'a donné ? Le micro qui chante. Le micro qui est branché, celui dans lequel quand on chante, il y a du son vraiment. Oui. Et t'es trop mignonne avec ton petit masque d'Halloween et la petite robe. Elle est trop belle. C'est beaucoup trop chou. C'est des lunettes d'Halloween. C'est des lunettes d'Halloween. Des citrouilles. En petite citrouille, t'as raison. J'en connais une autre qui a mis le sweat Halloween avec le petit short. Ouh, sympa. Bon, ben du coup, je ne sais pas si vous voyez... Ah ben si, en fait, vous voyez plus. Le volet est baissé parce que ça y est, il est tard. C'est l'heure pour Sam d'aller à son entraînement de hockey. De nous abandonner. J'avais zappé l'entraînement de hockey. T'avais zappé ? Ah, pendant les vacances, j'avais zappé quand même l'entraînement de hockey. Oui, papa, il a dit que quand ça sera un match, vous pourrez regarder quand ça sera un match. Quand il y aura un match, on ira le regarder, bien sûr. Oui. On ira le regarder jouer. Mais maintenant, c'est plus un match. C'est un non, là, c'est un entraînement, chérie. Du coup, j'allais dire, on va vous laisser pour le vlog du jour. Oui. On espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on dit à très très bientôt. Ciao. Elle l'a dit avant. Elle l'a dit avant de très peu. De très peu, mais elle l'a dit avant toi. Non, mais surtout, elle a fait un ciao en mode fantôme, là. En mode Halloween. Non, danse. Allez, bisous à tous. Bisous.